Yo, c'est Nazo et on se retrouve pour un nouvel épisode du Nora Challenge de l'épisode 10. Alors là, actuellement, je suis en train de regarder mes défenseurs. J'en cherche un que je pourrais mettre dans ma team principale et que je pourrais utiliser. Mais j'aimerais prendre un joueur que je n'ai jamais pris. En fait, j'en ai peut-être deux que j'utilise dans une team dans Supernova, mais je me tâte. Il y aurait Saphir qui est vraiment pas mal, il pourrait même être reconverti au niveau de ses stats. Franchement, j'ai soit le défenseur soit le milieu, donc ça pourrait être une reconversion. Ah, une petite reconversion dans mon team R, je pourrais le rajouter. Reconversion défense, milieu de terrain. Sinon, j'ai Tilda. Elle, ça serait vraiment une pure défenseuse. Kalmar, ouais, mais non, toi, toi, je te prends pas. Ouais, Kazamatsuri non plus. Ouais, il faudrait que je vois. Et alors, Tida est dans ma monotype. En fait, il est un mix match d'une team de ma monotype Terre. Et Saphir, ma monotype bois. Ouais, mais j'étais Maximax à qui? Monotype bois et ma monotype terre. Attends. Tida. Ok, Tida, c'est Alice. Ah, ok, c'est Tsugetsuka. Ok. Moi, je vais rester ultérieurement. On va se faire le 10e match. Alors. Battle Brother fait. Battle Parents fait. Et maintenant, il nous reste Kantoko Gundam en 10e. Avec la gravité de Gurdon. Avant qu'on vienne se taper les gravités les plus chiantes dans les prochains matchs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 matchs et. J'ai de quoi sortir 5 bons matchs et peut-être 5 bonnes OST, je sais pas. Je sais pas. Allez, on va se lancer le match. Tac, tac. Team 99. Lancer. Ah, je suis encore sous le choc du match contre Battle Parents, là, les milieux de terrain qui marquent et tout. En fait, franchement, sans passe rapide, je pense que c'est assez compliqué de marquer. Sachant que la balle irait plus lentement que prévu. Et ben, ce qui fait que ben, le goal la rattrape plus facilement. Avec passe rapide, il va courir vers le ballon, puis le suivre. Et ouais, non, j'étais. Oh, la team de tricheurs. Prends soin de toi, Ishido. Hein? Hydra Galaxy, Crimson Prison, Red Prison. Tu mets un joint critique ou tu mets une putain de frappe sur Goldas. Je m'en souviens. Toi, Wonderboy, je ferais pas de long shot parce que tu es capable de me les renvoyer. En plus, Fudo, lui, peut chain. Ouais, beaucoup qui peuvent chain. Donc, en fait, c'est la merde. Avec marque adulte hein, pour changer. Le goal qui était. Enfin, le goal Uber de Chronostone, hein, avec donne-toi à fond. Ah shit! Utilise tes TP, j'ai oublié de mettre Goldie au milieu de terrain, enfin, en défense centrale. De toute façon, il ne meurt pas de but donc. Oh, t'es une petite pute, d'accord, ok. Ok, je vais vous mettre un but dans la foulée, obligé de vous mettre un but dans la foulée.
Ok, c'est bon, il y a but. En plus, c'est une volée. C'est magnifique, ça coïncide avec un petit Dragon Blaster des familles. Pardon? Comment? Ah bon? D'accord. Ok. Genre, God NX. Ça veut dire que mon tir était si nul que ça. Il n'y a pas de souci. Ok. Je ne comprends pas. God NX qui m'arrête Dragon Blaster. Bon, encore, j'aurais fait un Tenchirai Mei avec H. Ok. Mais attends, j'étais à 1009. Je vais rien dire. C'est le début du match. On va dire qu'il y a un petit boost de chance avec son totem. Ok. Je mets ça sur le compte. Allez, du full power. N'empêche, regardez. Je suis déjà à la moitié de mes TP là, je suis plus droit à l'erreur là. Comment j'ai sollicité Garcha, frère? Je vais te solliciter, tu vas faire des Beast Lord. Je vais jouer sur le Chibiré. Si je te break. En fait, je pense que la puissance de Dragon Blaster qui n'était pas suffisante. En plus pour rajouter du fun, je vous sens tactique et il serait encore plus fun si Magnetedro était en S. Ok, j'ai rien dit. Et un but sans technique. J'étais pas sûr de marquer. Honnêtement, je regardais même pas ce qui se passait sur le terrain. Eh, je suis désolé, Marc, mais le remake du Gigaton Head que tu fais dans le Crossfilm Crossover, ça marche pas. Genre, tu sors du terrain, tu drives toute mon équipe, tu marques un but. Nine. Sois pas mécontent, frère. C'était ton idée de sortir des buts. Il me semble que vous avez Grand Luster en plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Grand Luster. Allez, on récupère le ballon. Et on le rebalance contre eux. Ah mince, c'est pas activé. Ouais non. Vas-y.
On va forcer à utiliser son totem. Voilà. Ouais, non, par contre, toi, je te passe pas. Sûr et certain. Bah ouais, t'es une kunomai. Le mec, il fait le double. Mais bon, tant qu'il peut utiliser son totem, je suis content. Par contre, depuis quand, Sigma, tu faisais quoi? De toute façon, il marre pas. Donc. Bon, petite mi-temps. Le mec n'a pas changé de coupe. En plus de 10 ans. Comme si la mèche en. Une espèce de mèche, c'est un peu. Travaux gris, et je vais monter en son pic. Endomamour. Petit 2-0, bah c'est rien. Par contre, pour la formation, c'est n'importe quoi là. Faut que. Shido. Ouais, je crois que c'est Kageyama. Non, c'est bon. On devrait pouvoir s'en sortir. En cette mi-temps, on devrait s'en sortir à l'aise. Voilà, on va faire du ballon. On m'a couru tout seul, bien sûr. Bien sûr. Oh, le plus 3. Mais normalement, ça passe crème. Ça passe crème. Je pense quand même je pense que j'aurais été la manière de Ether Galaxy et je n'utiliserais aucune enfin j'utiliserais pas d'aura, mais en plus que je n'aurais pas le stade boosté, c'est impossible de réussir. Impossible, clairement impossible, à moins de choper un grand master ou un critique. Que bon, maximum j'aurais fait quoi, 1400-1500, une technique à 1006, ça va hein. Il me stoppe tout, je marque pas hein. Je ferai des dribbles à 800. Ouais, si tu veux, vas-y, je t'en prie. Je vais te faire courir. Petite futée. Cours, ma salope, cours. Oh, il m'énerve. Oh, c'est bien, c'est. Je sais pas si tu passes, mais c'est bien quand même. Passe au Konigato, on tente. Putain, c'est parce que j'ai pas mes faveurs, c'est pour ça.
Juste pour ça, j'ai pas mes faveurs. J'ai enlevé tout pour mettre économie, belle passe, passe rapide, attraction. J'ai pas de faveur sur mon joueur. Ton royaume d'Orléans, le Orangina. Voilà, comme d'hab, ça c'est fait. Oh, il était pas là-bas, non? Ouais, Garcha, t'as pas tiré, frère. Je sais pas, joue, tire. 36. Normalement, il a pas de sous-strike. Mais, il y en aura un. Ah non. Ok, ben, God NX. Main Céleste X. Il devrait être bientôt break. Ah non, Main Céleste. Il arrête, il fait pas mal à mocher. Yay! Yeah, j'ai passé un point. Je ne comprends pas. Mais que s'est-il passé? Le pouvoir de Garcha était vraiment magnifique. Mais c'est exceptionnel! Bien, tu es plus rapide! Putain, et arrêtez de me balader comme ça, arrêtez! Tellement vous mettre dans le mal, vous! Allez, vas-y, fais le mec! Vas-y, continue d'aller me passer! Oh là, bon alors toi. Alors toi. Normalement, main céleste. Ouais, bon, de toute façon, ça sert à rien. Le dernier tour de accouru. J'ai chanté une tue avant que tu sois empêché par bêta. Attaque super ballon arc-en-ciel 11 tireurs. J'ai bien fait de ne pas faire Ourago Opalin ou Tourbillon du Dragon. J'aurais tellement ragé. Enfin bon, ragé quand on mène à 5-0. C'est un peu bête mais. Vous comprenez, vous savez connu ça durant tous mes Ether World, Ether Galaxy. Ah, ça me rappelle le match contre. C'est contre qui? C'est Gal. Ouais, Garou. Ouais, voilà, c'était You. J'ai dit, il fait un loup légendaire. J'en suis sûr, il fait un critique. Et ce petit fait un critique. La haine qui est montée en moi. Je sentais le tout m'envahir. Ah, je vais changer à courrier. Et puis, il n'y a pas de sortie de but. Il n'y a pas de sortie de but. Putain, ma... Voilà, ça, c'est bien. S'il te plaît, arrête-le. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça rentre. Ma vie que ça rentre. Je le voulais, ce but. Je le voulais. Voilà, ça c'est le petit bonus, ça c'est bon. Ça c'est les choses que ça c'est... On aime bien. Voilà, ça c'est du play qui est magnifique. La petite technique de défense sur le défenseur qui a un Keshin, ça passe au calme. Magnet draw. Pouf, on enchaîne.
Evolution, le goal ne peut rien faire, bloqué sur main céleste. Voilà. C'est comme placer un méga Lucario à plus 2 après un relais de Brutapod. L'adversaire sur le switch, il met un truc résistant, une petite danse lame, et après vous le sweepez. Vitesse extrême, piste au point, close combat. Marvelous! Et là, comme un con, je quitte le match. Allez-y, action désespérée, je sais pas, faites quelque chose, les mecs, long shot, laissez-moi contrer. Putain, aucune envie. Beta qui est rentré pour 20 secondes de jeu, histoire juste de mouiller un peu le maillot. Bon, possession, ils m'ont clairement dominé, y'a rien à dire. Mais bon, ce n'est pas la possession qui fait un match. Allez, par contre, donnez-moi du bon drop quand même, s'il vous plaît. Ouais, une brochette, voilà, sans doute consolation pour tout ce que j'ai fait. On se la partagera en 16. Voilà quoi. Bon bah sur ce, on va s'arrêter là pour le Nora Challenge. Donc il nous reste 5 matchs. Dans le prochain où j'ai une grosse appréhension. Parce que si vous connaissez l'ordre des gravités, je pense que vous savez laquelle vient après. Je pense qu'à ce moment-là, vous devez arborer un sourire en coin. Vous devez être en train de rigoler, de préparer un commentaire en disant tu vas en chier, tu vas baver, je n'attends que ça. Limite, vous avez dit j'ai réservé déjà ma pizza ou mon tacos, ma boisson, mon popcorn pour ce moment-là. Ouais. Ouais, je vais en chier un max. Si suite à ce match je ne fais plus de vidéos, c'est que je serai interne en HP après avoir tué masse des gens devant Micromania local, ou que j'aurais été interné en hôpital psychiatrique parce que je suis devenu fou. Enfin voilà, quant à savoir est-ce que je serai fou, ça, on verra au prochain épisode du Nora Challenge avec le numéro 11. Sur ce, je vous dis tout plein de bonnes choses, portez-vous bien, bonjour à tous.